Hello tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode, enfin, d'Alice Madness Returns. Il n'y a pas eu d'épisode samedi. Tout simplement que j'étais motivé pour Final Fantasy. Donc, la motivation n'était pas là pour Alice. Et lundi, pourquoi j'ai pas fait Alice au lieu de FF, c'est tout simplement que mon horaire, c'est lundi, mercredi et vendredi du FF. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, on retourne sur Alice. Dans le dernier épisode, on a terminé le chapitre 2, où qu'on a appris que le serpentier se faisait manipuler par le morse pour bouffer les huîtres, un petit peu comme dans le dessin animé. Et on est arrivé dans le monde réel avec la nourrice qui nous a dit d'aller voir Radcliffe. Il me semble qu'il s'appelle Radcliffe. Pas l'acteur pour Harry Potter, voilà. Non, Radcliffe, c'est son psychologue à l'asile, il me semble, pour retrouver le petit lapin d'Alice. Donc on s'en va le retrouver. Tu fais la concierge ? Ouais, j'ai le droit de savoir. Non. Ça doit être par là-bas. Et on arrive dans le chapitre 3. Mais il faut que je trouve la maison de Radcliffe. Et voilà. C'est un avocat en plus. Et non un psychologue. Je suis menteur. Désolé. Oui, qui est là? Alice Liddell, monsieur Radcliffe. Ah, enfin. Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Ça doit être lui qui s'occupait du testament des parents d'Alice. Je pense. Donc on y va. C'est vraiment beau. Regardez le vase. C'est super beau. Honnêtement. Voilà. Beau décor. Oh là là, c'est beau. Des katanas. Radcliffe, qui rend ennuyeux les sujets fascinants, dit que le sabre courbe est un katana du 16e siècle, pardonnez-moi, dont le petit modèle est appelé Wakizashi. Il était utilisé par les samouraïs. Voilà. Ça me prend énormément de temps à dire les chiffres romains. C'est tout le temps comme ça, mais bon. Allons-y. Radcliffe est où? Il est sûrement là-bas. Oh, vous avez mon lapin. Et vos bonnes manières? Où donc les avez-vous laissés? Les auriez-vous abandonnés à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ, j'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère. Rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans son lit. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. Ok. On apprend que c'est peut-être le chat. J'ai la tête? Je voulais... Ma pauvre tête va exploser. Bon. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations?
Peut-être okay. Mon sort est-il de mourir. C'est assez bizarre parce que tout est rendu détruit et que Radcliffe nous a accueillis en pyjama. Voilà. À la base, on le voit qui n'est pas net, le mec, de nous accueillir en pyjama. Je sais pas où est la sortie, c'est par là-bas. Il le naise en plus. Puis, on voit la simili-tortue ici. C'est assez spécial. Et voilà, on va bientôt rentrer dans le chapitre 3. En fait, on l'est déjà. Ouais, on est déjà dans le chapitre 3. Mais on est bientôt dedans. Bon, le mec est pas net directement. Il nous accueille en pyjama. Il dit que c'est Dina qui a renversé la bougie pour... Quel épouvantable ravage! Le pays des merveilles est corrompu! Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Ouais, je voulais parler avant la cinématique. On est rendu dans la vallée maudite. On voit qu'il n'est pas net. Puis je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire. C'est génial. Oui. Super. Honnêtement, je m'en rappelle vraiment plus. Ça me trouble. Mais bon, ça va sûrement me revenir. Voilà, on a changé d'environnement. C'est assez spécial où qu'on est rendu. On n'a pas eu de transition comme les deux premiers chapitres où Alice a un accident. Oui, il dit que selon les rapports des légistes, il me semble, qu'il a dit, c'est Dina qui a fait l'incendie. C'est ça que je voulais dire, je crois. J'espère, en tout cas. Va-t'en, allez. Ah, il est tellement long à battre. Bon, voilà, on l'a battu. Et on doit aller, tout simplement, sur la pipe, on pourrait dire, pour continuer. Continuer. Un long voyage commence toujours par un premier pas. Et on entend... Sur London Bridge pourrait être le dernier. Et on entend... Une voix. Tu veux voir écrit sur ta tombe? En fait, la voix, c'est un personnage assez connu de l'univers d'Alice. Pour ceux qui connaissent pas, bon. On fume des pipes. Le Serpentier, dans le dernier épisode, nous a demandé d'aller voir le bon Bix. Car il savait, il sait quoi, qu'est-ce qu'Alice devrait faire. Hop, pardon, je vais foirer. Non, j'ai pas foiré, c'est correct. Voilà. Et... Pourquoi j'arrive pas? C'est triste. Bon. Il nous a dit que le bon Bix savait. Donc, en supposant qu'on fume des sortes de pipes, et pourquoi j'avais un curseur buggé? Bon. Ça sent qu'on pourrait avancer. On prend. On fume une sorte de pipe. Je sais pas comment dire. Puis, c'est un petit peu l'objet de prédilection du bon Bix. Donc, on peut se douter de qui il parle. C'est qui parle. Désolé. J'ai de la difficulté à parler aujourd'hui, c'est ouf. Bon, on peut continuer. Ce rebord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance.
Il t'aidera, crois-moi. Bon, le prochain monde, le sorte de prochain donjon, je trouve vachement, mais vachement classe. J'ai vraiment hâte d'y arriver. Donc, on y va. On approche. Mine de rien. Puis, j'ai hâte de vous le montrer. Les dents. On augmente... Le cheval bâton ou on attend? Je vais attendre pour le glaive vorpalin, en fait. J'hésitais, mais on va attendre. Salut! Viens-tu? Parce que je peux pas aller dans l'ave. Je pense pas. Merci. Bon, on y va. On fait attention à ces petites ruines, en quelque sorte. Ces petits slimes, ruines, on s'en fout. Ces petites gelées. Et c'est une nouvelle arme qu'on voit là-bas. C'est quoi? Voilà, une théière. Et c'est la théière canon. Article inédit, c'est nouveau. Invitez vos amis à prendre le thé. Ce sera canon. Voilà, on a une nouvelle arme. Et on peut la changer comme ça et viser. Et là, il y a des mobs qui pop comme ça. Parce qu'ils veulent prendre le thé. Mais moi, je veux pas. Donc bon, allez-vous-en. On s'en fout de vous. Et on a la ruine colossale. Et ça va vraiment aider parce que ça fait des dégâts de zone, en fait. Hop. Voilà. Ça fait vraiment des dégâts de zone. Donc ça va vraiment aider. Alors, fais attention. Parfait. Ah oh, ça fait mal. Va-t'en. Va-t'en. Hop, des petits freezes. Pas grave. Hop, va-t'en. Éloigne-toi, Alice. Parfait. Oh non, je vois plus rien. Bon, parfait. Voilà, on l'a battu. Et il va se passer ça. Il sort une tête de bébé. Donc on vous doit le mitrailler. La caméra est mal placée. Non, va-t'en. Va-t'en. Ça va mieux avec la théière. Non, merde. Parfait. Là, on peut lui donner des coups quand il est comme ça. Parfait. Voilà, je change pour la théière. Là, c'est un petit peu plus facile pour aller le prendre, l'attaquer. Parce que on voit sa tête, donc c'est un petit peu plus simple. Et on l'a battu au complet, c'est parfait. Mais il est assez dur comme ennemi, mine de rien. On peut continuer. Et oui, avant là-dedans, important. Et on peut continuer, parfait. Et voilà, on va aller chercher la pipe en quelque sorte, je sais pas, elle est où? Elle est par là-bas. Et oui, je crois que l'apercevoir, je crois, mais je pense pas. Oui, elle est là, c'est ça. J'ai tombé, pas grave, on recommence. Allez, on attaque. Parfait. Et on peut faire la pipe. Parfait. On est rasé. Quel désastre. Qu'est-il advenu de ma belle vallée? Le temps passe et les choses changent, souvent pour le pire.
Ok, c'est parfait. Merci pour tes proverbes. Le bon Bix. Mais on s'en fout un petit peu. Ah, pas encore lui. Il est chiant. Il est long aussi. Mais bon, pas grave. Mais non, mais... Pourquoi tu te fous devant? Va-t'en. Oh, tu sers à rien. Va-t'en. Alice, va-t'en. Parfait. Viens-t'en. Attaque. Non, pas comme ça. Non. Tout doux. Tout doux. Parfait. Comme ça. Allez. Parfait. Et on va l'attaquer. Allez. Va-t'en. Dégage. Meurs. On s'en fout. On esquive. On attaque. Il arrive. Allez, va-t'en. Parfait. Il te manque une tête à couper. Allez. Parfait, on l'a battu. Bon. Ces ruines-là sont assez simples. Celui-là aussi. Voilà. On va encore couper des ruines. Pardonnez-moi. Voilà, on ramasse des dents. On en a 800, mine de rien. On en a ramassé. J'améliore le glaive. Voilà. On peut plus l'améliorer, comme vous pouvez voir en haut, on n'a plus de cartes pour descendre, donc on peut plus l'améliorer vraiment. Il nous reste le moulin à poivre, le cheval bâton et la théière canon. C'est les seules armes qu'on peut améliorer, ça on peut pas. L'ombrelle on peut pas. Puis c'est tout, je crois. Voilà, on peut respirer un bon coup. Voilà, on peut avancer. Comme ça. C'est assez simple, mine de rien. On va pas par là. Lui, il me fait peur. Va-t'en. Oh non, il y en a d'autres. Va-t'en. Ok. C'est ça que je pensais. Va-t'en. Tombe. Oui. L'autre. Salut. Il va me tirer dessus. Voilà. Quand ils sortent leur tête, c'est qu'ils vont nous tirer dessus après. Et je vais prendre la bouteille en même temps. Ça va m'aider. Ça va m'aider. Non, peut-être pas, mais bon. On la prend quand même. C'est super utile. Donc, on y va. On va par là. Et on va encore prendre... Pardonnez-moi. On va encore prendre le courant d'air. Ouais, on peut dire ça. Que c'est un courant d'air. En fait, on n'a pas trop le choix. Là, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Où? Par là-bas, en fait. Une minute. Ouais. Je dis par là-bas. Là, ça me prendrait la terre canon. Comme ça. Parfait. Pour briser ceci. Voilà. On peut passer. Et qu'est-ce qui se passe? Encore des... Ok, des fous de thé. J'ai pas réussi à les esquiver, pas grave. Allez, on l'attaque. Parfait. On l'a battu. Ah, on est plus fort. On peut voir. C'est parfait. On est vraiment, mais vraiment plus fort. Bon, ok, c'est des monstres du premier chapitre. Qui ont décidé de revenir. Voilà. Ils sont comme ça. Bon, on passe. Allez, va-t'en. Parfait. Et viens-t'en. Go, attaque. Non, pas ces mobs-là, s'il vous plaît. Allez. Allez, parfait. Allez, on attaque. Pas grave, les dégâts, c'est assez mineur. Ah, allez-vous-en, s'il vous plaît. Allez-vous-en, allez. Allez, attaque. Bientôt fini. Parfait, on t'attaque. On attend. On attaque. On attaque. Parfait, on y va. On l'attaque, on l'a terminé. Parfait. Et voilà. On trouve...
la pipe pour débloquer le chemin. On a encore cette statue qu'on dirait qu'elle pleure. Bref, qu'on a vu dans le premier chapitre, il me semble. Je crois que oui. Voilà, on ramasse les petites dents et on continue. Voilà, c'est fini. Bon, un petit temps de chargement, c'est pas trop grave. On y va. Bon, toi, go. Attaque. Fini. Toi, fini. Toi, fini. Toi, fini. Voilà. Toi, fini. Toi, fini. Va-t'en. Toi aussi, va-t'en. Bon, voilà. Ils sont tous morts. On peut continuer. Oh non. Allez, viens-t'en. Viens-t'en. Parfait. Va-t'en. Va-t'en. Parfait. On peut continuer. Et on a encore les fous de thé. Va-t'en. Sale mob. Toi aussi. Voilà. Va-t'en. Parfait. Et allez, allez, allez. Sors ta tête. Parfait. Voilà, il est mort. Je crois. Même pas, même pas. Oh, ok. Va-t'en, même pas. Oh là là, sérieux. Quelle arnaque. Sale arnaque. C'est de l'escroquerie, sérieux. Ils m'ont arnaqué. Non mais, bon, je les ai battus. Donc c'est pas si mal. Comment qu'on monte? Intéressant. Comment qu'on monte? Par là-bas. En fait, je viens de réaliser. Voilà, on se régénère, on s'en fout. On check. Parfait. On y va. On remonte là-dessus. On fait attention aussi. Il y a des mobs qui veulent nous attaquer. Bon, je suis mort, je suis nul. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Salut, ça va? La famille, tout ça, ça va? Ça va? Va-t'en. Bon. C'est où? C'est par là. On attend. Allez. Mon bouton est coincé. Bon, ok. Je sais pas pourquoi mon bouton est resté coincé. C'est pas très drôle. Parce qu'on peut pas sauter dans cette Alice-là. Avec cette Alice-là. Voilà. Parfait. Oh, phew. Parfait. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a là. Qu'il y a là. Cette vision, cette infection, ce sinistre bruit. Qu'as-tu imaginé? Bon, c'est bon. Je ne sais pas. Ok, c'est pour... j'ai foiré. Bon, on s'en fout. Voilà, pas de 100%. C'est dit. Oh non, je m'en souviens de ce passage-là. Oh non. Bon, on continue encore. Mais je m'en souviens. Salut. Le retour de la bête. Salut, ça va? Va-t'en, parfait. Va-t'en, parfait. Oh, toi, va-t'en, on s'en fout de toi. Va-t'en. Allez, parfait. Allez-vous-en. Ouh, arrêtez de spawner, sérieux. Allez. Allez, parfait. Parfait. Oh, va-t'en. Allez. Parfait. Va-t'en. Parfait. On va le taper. Toi aussi. Go.
On l'a. Ah, pas grave. Parfait. Non, même pas. Peut-être que si. Ah, pas grave. Allez. Ouais, mais on s'éloigne. On fait attention. Allez, parfait. Et on attend. Allez. Parfait. Un petit coup. Avec des petits lags. C'est pas extrêmement gênant. Je sais pas pourquoi, mais ça lag un petit peu. Mais bon. Ce n'est pas grave. On s'éloigne, on s'éloigne. Attends. Oh là là. Parfait. Ok, on recommence. Bon, on l'a presque battu. On l'a battu en fait. Donc parfait. Ils sont super longs et difficiles à battre. C'est fou. Mais bon, on l'a battu, c'est cool, c'est parfait. Et on continue, on continue. Voilà. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Bon, désolé si je ne parlais pas trop. J'étais concentré sur quelque chose. Il y a quelque chose par là-bas, non? Je veux sortir. Mon bouton est coincé! Ouais, je pense que mon bouton est coincé. Il a décidé de faire n'importe quoi. Pourquoi tu veux pas? Sérieux? Bon, attends. Bon, attends. Non, sérieux, le jeu a bugué ou quoi? Une minute. Allez, sors. Mais, non mais, allô? Il a bugué, j'arrive pas. C'est pas de facecam, donc c'est débile de vous montrer, de mettre ma manette. Ou soit qu'il a lagué, parce que là, je suis à 15 FPS. Non, ça me tente pas. Ah, putain. Non, sérieux. Il a genre décidé de bugger. Ça me tente pas de recommencer, donc on s'en va sur le menu. Continuer. Je veux pas faire à nouveau le colosse. Le colosse. La ruine colossale. Ok, parfait. Voilà, on va encore respirer son truc. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Je sais, ta gueule. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Ok, bon, parfait. Je viens avec toi, mais attends. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai bugué là-dessus. Voilà. C'est tout. Bon, j'entends de me régénérer parce que j'ai pas toutes mes cœurs. Et j'espère que je ne buggera pas cette fois. Ça serait vraiment apprécié. Les régénère. Bientôt, bientôt, bientôt. Parfait. Parfait, parfait pas. Non, non, des bugs. Non, non. La fleur maléfique, putain, non. Mais je sais pas si c'est mon bouton qui fait ça, sérieux. Parce que j'ai enlevé la batterie tantôt, ça a rien fait. Allô. Bah j'ai plus de batterie, ma manette a fermé. Bon. Ok, je ne comprends pas. Voilà, c'est la fleur du démon. Voilà. Non, on s'en va chercher les dents là-bas. La fleur du démon. Voilà, on va chercher le souvenir là-bas. Parce qu'on n'en a pas ramassé des masses depuis le début du chapitre. Bon, on y va. On y va, il y a même un petit trou là-bas. On y va. Go. La peau humaine, brûlée par le feu ou la vapeur, n'est guère appétissante. Pas plus que celle d'un rat d'égout. T'es un petit peu glauque, toi, sérieux? C'est fou. Va-t'en. Je crois que c'est pour des dents ici. Je vois rien d'autre. Rien d'autre.
Oh, puis des monstres. Salut. Va-t'en. Va-t'en. Parfait. On attaque. Allez. Ah, je peux passer à travers son bouclier ou quoi? Bon, pas grave, on l'a battu. Des dents. Parfait. Y a rien. Je pense que c'était pour des dents. Allez, on y va. On continue. On a bientôt fini l'épisode, les amis. Je veux me rendre à un point. Bon, on y va par là. Y a rien. Bon, y a des dents, mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous des dents. J'ai peur que ça bug. Puis, ça me tente pas. Bon. On y va. On est rendu au point où on était censé aller. Connais-tu le dicton « fumer retarde la croissance » ? C'est ce que disent les adultes aux enfants, tout en fumant ostensiblement leur pipe. Il n'est pas utile d'inhaler, laisse seulement la fumée t'envelopper. Voilà, le donjon du chapitre 3, l'Est mystérieux. Voilà, c'est bon, une ambiance que j'aime bien honnêtement, assez orientale avec la robe d'Alice, le ciel qui est sublime. Bref, ça va être un monde que, honnêtement, du côté designé, je l'aime beaucoup, je l'adore. Donc, j'ai hâte de le redécouvrir avec vous dans le prochain épisode. On va se laisser là, avec la petite fleur buggée. Mais bon, c'est pas très grave. En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode d'Alice. Madness Returns. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde. Allez, bye 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 bye. J'ai bégayé à la fin, c'est fou. Allez, bye bye.